Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Dévorer la planète. Quatrième épisode, alors les zombies ont été créés. C'est le fun comment chaque victoire crée une nouvelle race. On atteint finalement le temple de Von. Qu'est-ce que le temple de Von? Le temple de Von, en fait, c'est quand c'est trois territoires, qui est un continent, quand tu les contrôles, au début de chacun de tes tours, tu prends le contrôle d'un territoire ennemi avec toutes les armées que tu as. Donc, si mettons, il y a 24 unités sur un territoire, tu peux le saisir, puis c'est à toi, puis tu as 24 unités à toi. C'est vraiment important de s'assurer. Et là, on a beaucoup de médailles, alors ça devient ridicule parce qu'on va gagner super vite en avançant 3 médailles. Ok. Donc, ici, on a. Bon, pour les bastions, la porte de l'enfer, 4 casernes, le phare noir. Phare noir, je pense, c'est ce qu'on a juste en bas ici. En fait, on a presque déjà ça. Parce qu'on est rendu les gris. On est mort. Le dé d'attaque, c'est 22 territoires. J'ai l'impression que la partie va être terminée avant qu'on puisse se rendre jusque-là. Ouais. Deux capitales ennemies. 8 territoires en un tour, c'est pas facile. 3 continents entiers, ça peut être faisable si on va dans les deux continents par la gauche. Tête de défense, quand même, toujours avoir. Mmh. Si on va chercher le temple de vent de notre tête de défense, on a probablement gagné la partie. Oh, on commence. 13 territoires. Vous obtenez 4 unités. Capitale 1. C'est. Ok. C'est tout. Pour commencer. Fais ce que t'as dit. Ouais. Moi, j'irais vraiment en fond, c'est ça, venir prendre ça. C'est-tu, on le voit-tu, les continents, c'est par où déjà? C'est avec X? Non? C'est pas LR? Ah, voilà. C'était quoi déjà? C'était le phare noir. Oh non, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est gros le phare noir. Ouais. Wow. C'est pour ça qu'il est. Ok, ok. C'est pas. L'astic, c'est mieux aussi. C'est beau, l'astic. Mais ben, à Fort Noir, il y a plus de territoires, j'ai l'impression. Dedans, les territoires sont plus petits, mais il y en a plus. Ok. Bon, moi, je dirais qu'on va quand même commencer avec ça parce que c'est un bon move à faire. Bah oui. On va chercher notre continent, pas déjà notre capitale en même temps. Qui est un continent? Personne. Tu me parles de tes problèmes personnels, Mathieu? C'est fait. C'est fait. On va avoir une attaque. C'est vrai. Par contre, c'est peut-être pas ça aussi parce que regarde ce qui nous reste et okay. On est un peu pauvre. Okay, on va faire un déplacement pour rapprocher ça de la frontière. Et voilà. On est stratégique. Ah, deux, voilà, étoiles. Deux étoiles. Alors parfois, on peut poigner une carte avec deux étoiles au lieu d'une. C'est oui, c'est très rentable, c'est logique. Oh! Tu ne vises pas le temple devant. On nous a volé un territoire. Le jaune est désormais notre ennemi! On l'avait déjà attaqué. Oui, c'est à lui qu'on vient de prendre un territoire en fait. C'est dangereux. Fair game. C'est bon, le vert a vraiment pas l'air en mode. Il est
trop... Hey, ça va être notre ennemi pas mal en fait dans ce coin-là. Ouais. Lui, il va aller vers le territoire de Vettel de Bunchak, merci. Il change des cartes au premier tour, ça c'est spécial. Ça prend vraiment un ordi. Ouais. Il y avait 4, il y avait 3, il y avait 7. Ah ben c'est peut-être un continent, puis il prend un pied sur le temple de Vannes. Le temple de Vannes, il est jamais dangereux tant que tout le monde se le prend. On aime ça. Quand, tant que t'es pas dessus, hein, t'aimes ça que tout le monde se le grille. Bon, commandant 64, il s'en va où? Il change lui aussi, c'est épouvantable. Oh, il s'en va sur le temple. Oh, il va prendre un continent. Ah. C'est sûr qu'avoir un continent, ça aide en fait pour les opérations d'après. Hein. Il laisse affaiblir, puis nous on va y prendre tout de suite. Juste pour empêcher qu'il y ait un continent. Oh oui, absolument. En fait, je trouve ça dommage parce que c'est le continent que je visais en deuxième. On pourrait le prendre. À partir de notre capitale, je pense qu'on va, on va aller au minimum y enlever. Pour ça qu'on peut le prendre ce tour-ci quand même. Ça fait quand même 7 armées à tuer. Deux étoiles, ça vaut combien? Ça vaut 2. Ça sera pas impressionnant. Et aussi, plus on attend, plus ça vaut cher. En fait, comme vous regardez justement sur la charte, c'est plus rentable d'attendre. D'habitude, on attend tout le temps, c'est pas changer de 30 et faire un massacre. La capitale du rouge, elle va être intéressante à y enlever aussi. C'est ça qui me tente, mais avec 6, ça sera peut-être pas assez pour enlever son 4. On va commencer par travailler pour l'éliminer de cette zone-là. C'est vrai que la chance, ça peut bien être. Ah! On peut voir quand même. C'est vrai. Est-ce que j'en laisse en arrière? Non. Non, je vais même le laisser là. Mais c'est ça, je pourrais arrêter mon tour ici et me dire au prochain tour je m'en occupe. Ou à moins que t'as, on a combien de consignes de tel quoi? Ça peut rien dire, il y a trois autres personnes qui jouent après nous de toute façon. Les autres sont proches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 territoires qu'on a. La seule joke, c'est que si tu regardes qu'est-ce qui est lié à, ton, à celui-là ici, le 2 puis le 3, c'est tout du. Sont tout à toi les territoires. Ouais, ouais, je sais, je sais. Tuer le 3, je veux dire, dans le fond, ça me défendrait. Ben, et le 2. Mais ils sont tous couverts, comme tout. Ouais, une fois qu'il est éliminé de la zone, il n'y a plus de danger. C'est sûr que le rouge présentement est vraiment problématique. Le vert va l'être parce qu'il y a un gros 6 à côté de notre continent. Ok, fait le tour, on a tout pour le tour. On essaie. On essaie, ouais. C'est vrai. Comme Alex dit, on a des territoires autour. On va commencer avec. Ouais. On va regarder. Ça vous évite qu'il se passe un massacre aussi en y allant. Une attaque à la fois. 4, 3, oh yes! Excellent. Et voilà, les amis, ça vomit. Apparemment, le vomi, c'est pas bon pour les circuits électriques. C'est une belle première attaque, ça, c'est encourageant pour les autres. Ça va être serré. C'est bon qu'on soit très chanceux. 6, 5, yes. Excellent. Wow! Ça. 5, hein! Fait du bien par où ça passe. 6 contre 3, mon dieu. Et voilà, un bout de bras. Ça aussi, ça fait le travail. Et mon dieu, on a rien perdu. On a enlevé son continent au complet. On a une frontière autour. Fait qu'on pourrait faire un déplacement intelligent même. Moi, le déplacement intelligent que je vois présentement, c'est le temple. Le temple, ouais. Le temple, c'est notre frontière en même temps, en fait. C'est une idée. En fait, ouais. Soit moi j'ai deux options. Soit on ramène sur le temple de Vannes, ce qui est quand même bien. Sinon on ramène à côté des capitales du rouge pour le prochain tour et enlever. Présentement, le rouge est pas mal faible. Le seul qui aurait vraiment des forces hiver. Ouais, fait qu'en mettant le 4 sur le temple de Vannes, je me rapproche de lui, effectivement. Puis je vais peut-être le décourager justement le vert de prendre le temple au complet. On termine nos attaques. Et voilà. Ça dépend de nos deux. Deux! Quand même. On n'a pas un mauvais début. C'est parce que vous n'avez pas crié avec moi. Clairement ça. Oh! Lui continue son ravage en bas. Et il est pas mal tout seul de son côté, en fait. Ah, écoute. Ça y a fait mal, quand même. Ouais. Peut-être que notre 2 va être assez pour l'empêcher d'avoir le continent. Yes! Excellent. C'est le village des Gaulois. On le ralentit, c'est parfait comme ça. On pourrait même être vraiment méchant puis enlever sa capitale. Tu mets un ou deux unités dessus juste pour le faire chier. Oh, lui, il va nous faire mal. Ouch. Il va nous enlever notre carte. Mm-hmm. Ça aurait été cool qu'il emporte quelque chose. Ah, quoi qu'il sépare 500, il est peut-être pas tenté de le prendre tout de suite. Il est prudent, le petit maudit. Nous, par exemple, là, c'est là qu'il faut faire un move. Non, on a deux conseils. Personne ne l'a enlevé.
Exact. On va avoir plus d'armées que lui. Il y en a 4. Ah ouais. Ouais, il va gruger dans ce coin-là. C'est malade. Ah non, il va nous enlever notre continent, c'est sûr. Ah, oui, 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 avec ton 3, il va. Ok. Ça sent des chances. Même pas, waouh! Ok. Excellent. Ouf! On a échappé belle là-dessus. Niveau 1, je pense. Ouais, probablement un ou deux, mais quand même. Wow. On va le savoir bien vite de toute façon. On en a 5 autres territoires. Une seule capitale. Ça, c'est un port d'enfer. Ah, c'est deux, la porte d'enfer. C'est un territoire de 4, mais il y a 3 contacts avec le clan. C'est vraiment de la merde, ce territoire-là. Bon, fait que 3-4 pour 4 armées, on n'a pas encore besoin de ça. Ça nous en fait le rouge, là, ce serait cool. Sinon, c'est sûr que. Le vert va devenir vraiment dangereux très vite. C'est qu'il faudrait au moins. C'est plate, là, parce qu'il est bien défendu, mais. Mm-hmm. Ou. Ah ouais. C'est parce qu'il faudrait y enlever ce, ça, parce que c'est ça qui pompe des unités. L'attaque par en arrière. Par le 4. 4, 10, c'est dur. 4, 5, 1, 1, 1. Tu reviens. Genre ça, elle a. Ouais, c'est ça. Mais c'est plate parce que. Avec le nombre d'unités qu'on a, on peut quasiment. Il va être le rouge. Il serait même plus un danger. Ouais, le problème, c'est que si on laisse le vert devenir trop fort, ça, il va avoir le temple de Von qui va être très bien défendu. On va avoir le risque qu'il puisse le conserver sans qu'on soit capable de lui enlever par la suite. Une mission, bon, deux capitales ennemies, on est présentement. Il y en a une. Pas en si bonne position de faire ça. Ça, c'était 8 territoires un tour, on ne le reprendra pas. 3 continents entiers. Ouais, ça, c'est pas facile, si loin. Là. C'est l'idée de défense. On a déjà 2 continents présentement. Ça, ce serait vraiment intéressant d'aller chercher. Tu mettras un pion, là. Si on a l'idée de défense, on a. Mais. 2 continents. Et tuer ces 10, c'est extrêmement difficile. 13 contre 10, c'est possible. Mais. Si on réussit, ce serait écœurant. Parce qu'on aurait non seulement le turnover et une vie de défense, mais sinon on peut se faire très mal avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que dans le pire des cas, on va y en avoir quand même enlevé un. C'est à la fin du tour si on a un continent, parce que ce continent-là serait prenable à partir de là. Puis là, on aurait notre dé. Quoi, c'est pour en tuer 10? C'est pas... Les deux, on en tue 10. D'une façon ou d'une autre, c'est 10 armées à tuer. Ok. Si j'ai un, ça dépend moins. C'est vrai. Tu partages, t'as plus sympa. Une stratégie de l'autre, on n'est pas dans le même. Ça y laisse 2 moteurs de 5 après. C'est basé sur la chance. Moi j'ai envie du temps. Non, mais go. Égal, go. C'est yes! Très bon. On était plus chanceux. T'as même pas besoin d'en laisser un. Non, pas du tout, ben non. Si on veut réussir quoi que ce soit, je peux pas en laisser. Ok, on a 2 parties de temps. Nous, on met ça gris. Non, ici. Capitaine. Oh, oui. Non. Oui. Yes! Exceptionnel. Tu peux en laisser un petit peu avant. Peut-être une vie. 4-4 comme ça, dit de défense. On a le territoire de buffer. On fait rien d'autre. Ok, on a le temple. Là, ce qui serait ridiculement drôle, ce serait de réussir à garder ça le tour prochain. Vous allez pouvoir commencer à voir ça ressemble à quoi. Moi, j'arrêterais ça là. Je vois vraiment pas ce qu'on peut faire de mieux que ça. Non, je suis ici. Non. On va possiblement le perdre, mais d'une façon ou d'une autre, on a eu le dé de défense. Ça va être un gros avantage pour les tours suivants, dans le pire des cas. Je vois même pas de manœuvre intelligente à faire. Et voilà, dé de défense. Je vois ça d'un œil assez positif. Ah ouais? Hey, je m'attendais pas du tout à ça. Ah lui, c'est les casernes qu'il voulait avoir. Ben, c'est vrai que par contre, pour lui, c'est intéressant parce qu'il y a tout le tour du missile déjà. C'est drôle parce que ça signifie que notre petit noir va rester encore dans sa cour. Et puis il a pris le contrôle du missile. C'est pas grave parce que si on a le temple de Von, c'est les beaux petits 4 qui traînent en arrière, on peut aller les chercher. Ça a bien été. Ouf, bon, ça c'est le moment de vérité. Mmh, ah ouais.
il revient vers le temple. On a le dé de défense, on a le dé de défense, on a le dé de défense, on a le dé de défense. Monsieur a fondu. Oui! Oh wow! On a gardé le temple. On a gardé le temple. Ouf! Qui qu'on va faire chier? La capitale peut-être du rouge. Le rouge n'a pas terminé. C'est peu probable. Oh mon dieu, c'est excellent. Ça veut dire qu'on le garde. Wow, wow. On prend la capitale du rouge, absolument, c'est sûr. Peut-être qu'il n'y avait pas un gros menton, là. Incroyable. Ça pouvait pas se passer mieux que ça. Je m'attendais pas, honnêtement, à ce qu'on réussisse à le garder. Je m'attendais à ce qu'on gagne, qu'on perde de péter de misère et qu'on le raille le tour d'après. Le but, c'était d'avoir le dé. Ouais, ouais. Et voilà. Bon, fait que voilà qui est intéressant. Ben, petite oui. Capitale avec quatre armées. Bonjour, citoyens. Vous êtes maintenant des zombies. On a transformé les robots en zombies. Oui, c'est ça. Faire. Un miracle de technologie. Et voilà. Quatre années. Ouais. Et maintenant, on recrute avec notre continent en plus. Et on est tombé à 18 territoires avec lui. Fait que ça me fait une unité de plus aussi. Incroyable. Juste le hasard, les gars. De plus. Moi je pense qu'on prend le continent du vert toi aussi. Ouais. On met ça sur le 4 de notre continent à nous en bas. Ouais. Non merci. Non merci. On n'a pas besoin. Le temple de Von va tout nous donner. On va partir du 4. Ah ouais. Oh, ouais. Ça nous fait un beau petit fond. Donc, j'ai 10 armées pour partir ça. Ok, c'est parti. C'est le... combien d'un coup qu'il fallait pour 8 je pense. Okay. 1. 2. Oh, 22 territoires d'attaque, mon dieu. Ah. Je pense que c'est lui qui s'en allait. Ouais, on va prendre le territoire. Et l'attaque, c'est quand même assez bien. Prendre la crypte en haut. Ben oui, parce que la crypte en plus, on a 1, 2, 3. Continue. Ben oui, on a 3 cryptes, ça veut dire qu'on peut geler un territoire. Qu'est-ce que ça fait de geler? Geler un territoire, en fait, c'est que ce territoire-là ne peut pas attaquer ni être attaqué jusqu'à ton prochain tour. C'est aussi intéressant à l'attaque qu'à la défense, c'est un très bel avantage aussi. 8 territoires en 2 tours, bon. Oh, on a ça aussi. Et là. Ça va être déchirant, ça. Ben, c'est clairement un dé d'attaque. Oh, ok. Ah non, il manque le petit. Le petit rouge, me fatigue. On peut le prendre à partir de lui, en fait. Ouais. Ou l'autre. Ouais, parce qu'il est loin. Je pense que c'est plus intelligent de faire ça. Rouge, faut pas oublier qu'on peut geler un territoire. Il y a le territoire noir, là, qui va nous déranger. Ouais, on va pouvoir le geler. Exact. Ah, il y a le rouge qui peut quand même nous démolir par en bas, par contre. Ouais. On n'a pas beaucoup d'armées. On a beaucoup d'ambition, mais pas beaucoup d'armées. Je pense qu'on arrête ça là, en tout cas, ça c'est sûr. On a fait un massacre. Manœuvre. On n'a rien à manœuvrer. Non, on s'est vraiment... Bon, c'est un peu téméraire notre affaire, mais... Ça faut pas oublier, on a le dé de défense. Mm-hmm. Soudainement, le jaune devient fort. On va paralyser, je dirais, soit lui ou lui. Le 3. Moi, j'irais lui, parce que ça... Oh, lui, en fait, on veut le temple de Von. Ah oh, non, en fait, tu peux. Ouais. C'est lui aussi. Lui bloque le temple de Von. Ça va être long. Lui? Ouais. Mais il reste toujours lui, après, qui peut faire toc, toc. Ouais. Tout aussi facile pour lui de rentrer. Mais il va être pris avec d'autres affaires. Le jaune me semble beaucoup occupé de son côté. Ouais. Je vais miser que ce soit... Le rouge qui va essayer de nous écœurer. Le vert pour essayer de faire ça. Regardez. Je sais. Parce que le vert ne pourra pas l'attaquer de mon coup. On n'a plus de décision. Parce que le vert ne peut plus descendre. Il peut passer vers lui. Il peut passer par en dessous. Par le 1. C'est deux territoires eux. Hein. Bon, fait que le dé d'attaque c'est excellent. Ouais, le territoire on a le tour, c'est pas notre dernière chance de l'avoir. Par contre, mais je pense que le dé d'attaque est plus pertinent à cette. En contrôler 22 territoires. C'est d'après, on l'aura encore. Oui, par contre, faut pas oublier, hein, pour jouer au mode mission. Ah ouais. Si on veut se servir d'une des cartes, c'est de L, on va se servir. Parce que la troisième va nous donner des victoires. C'est ça, c'est même trop facile. On peut pas pendant la campagne. Non. Merveilleux. Mais ce qui serait vraiment drôle, c'est qu'il garderait son 9. Peu importe le gros chiffre qu'il va avoir, ça, le plus possible sur un territoire. Ah, vraiment, t'étonnes pas, il va chercher la capitale du verre, je pensais qu'il aurait pris le conseil de mission. Ben, une capitale, c'est jamais mauvais non plus. J'ai pas ça parce que ça va être motivé le vert à tout faire pour la reprendre. Très plausible. C'est qu'il s'en va.
droite, à droite. Ah! Ben voyons donc. Quelle décision étrange. Étrange. Et okay. Peu performante d'ailleurs. Ouf, là 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 là. Ah, il était chanceux. Il a réussi à prendre notre tête. J'ai ma carte. Il veut vraiment le missile apparemment. D'accord. C'est sa première caserne, mon dieu. Combien que d'efforts épouvantables pour une caserne sur trois. J'ai jamais réussi à prendre son territoire le jour dans le bois. À cause de nous. Yes. Attaque nous. C'est-à-dire qu'on a encore le temps de voir. Ben non, c'est sûr, c'est pas une autre fois. Ah, ouais, lui, ça y sert un peu. Pour lui, c'est pertinent. Ouais. On va être là, on plus vraiment ça. Pour le vert, c'est un move particulièrement étrange. Bon. On peut-tu jouer? Ça va être à nous, là. Je t'ai justement te demander quel territoire on convertit. Je pense que le 4 ouais, le jaune, 4. Probablement notre meilleur deal. Ouais, ouais. Ça fait, on a rien dans ce coin-là, c'est bon. Non, c'est ça. On se fait un petit pied à terre. Écoutez, ça nous bloque pas. C'est lui qui a le plus d'armées. Puis de toute façon, on a des territoires à mettre des armées dans le fond pour commencer à prendre 3 jaunes. Oui, c'est toujours pratique d'avoir un puits putride chez soi. Bon, quand t'es un zombie. Excellent. C'est dans le même veine que le bouton de l'éternel printemps. Et voilà. Bonjour, bienvenue chez nous. Des chats transformés en verre. Bon, c'est long. On a juste 27 territoires. Annulé. Ça nous fait 18 armées. On gagne en fin de tour anyway en prenant la médaille. Tu peux prendre la cape. On peut décider, c'est ça, de se foutre puis gagner en conquête. En autant qu'un ordi passe pas, genre, médaille. Non, non, écoute, je crois qu'il n'y en a aucune. Bon, là, je suis en train de voir, par contre, je veux éclairer le rouge de ce coin-là. C'est-à-dire qu'on va mettre ici et sur la capitale ici. Parce qu'on va faire un 2. Ouais, ouais. Attaquer à partir de sa capitale, c'est toujours gagnant, je trouve. Ok. La capitale ennemie. Oui, bien sûr, ça. C'est ça, on a pris ta capitale, maintenant on mobilise des armées dedans pour te détruire la gueule. Ok, je vais faire ça comme ça, je vais mettre une coupe ici, que lui fasse le reste du chemin. Fait que l'idée va faire 2, 3, 2. Tu vas continuer. Ouais. Ben toi, tu vas faire un rond comme ça, puis toi, tu vas faire juste 2 coches. Ouais. On a tout ça. On a l'idée d'attaque aussi. 9 contre 4, ça devrait être amplement suffisant. Comment ça va prendre les 2 petits territoires à partir de 9? Oui, oui, définitivement. C'est ça qui est le plus risqué. Hein? On va vous montrer les attaques, comment c'est agréable d'avoir ça jusqu'à la fin de la partie. Boum, boum, boum. Ah bon. On vous a charmé avec un beau 1, mais c'est pas grave. Un beau dé d'attaque. Hein? Je pense que c'est enfargé en même. Et voilà, on règle ça pas. Ça rien de ça. C'est la loi de la moyenne jusqu'à un certain point. Attaque. Ouais, bon. Ok. C'est réglé. Le jaune est complètement clearé de ouais, cette c'est partie ça. De la du monde. Le jaune n'est plus un et problème. Et le rouge... Bon. Comment un dé d'attaque n'est pas si performant que ça à date, mais c'est pas grave. Le rouge est en train de perdre du territoire. Ben, comme tous les autres d'ailleurs. On est un peu méchant à ce niveau-là. C'est l'arme et les hommes. On n'est pas pour le partage en fait. Carte. Ah ben. Ah ouais, on veut pas la vendre. On va pas faire la carte les dames de terre. On l'a, c'est le but d'attaque. Ok, ok, oui. C'est celle-là. Ah, diantre, 2 bonnes cartes, on veut pas les prendre. tant qu'à ça. Tain, ça repousse notre frontière. Enlève le rouge de là. Ah ben oui. Je vais avancer avec mon 4 après même si je veux, pour aucune raison. C'est juste chier laisser le rouge en vie avec un terrain. Il faut aller chercher le rouge d'où ce qu'on est. Hein? Ouais, c'est même pas possible. Tant qu'à ça, on va prendre le continent. Ok. Voilà. Maintenant, on ramène le 5. Peut-être que j'ai pas fini. Ah, ok, excuse-moi. Voilà. On a ces cartes. Oh. Non! Ok, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je pensais que c'était une donnée de soumission, je sais comme. Tiens, on vient de gagner. On a beaucoup trop de médailles. Bon, que. Je voudrais tout ça, c'est chiant. Oui, effectivement. Et le pire, c'est qu'on va rien prendre parce qu'on peut pas gagner. On est drôle, là. Bon, toi ici, 5. Ouais, 5, ça. Ouais, 3 aussi qui est inutile. Ouais, mais une à la fois, malheureusement. Ah, ben oui, c'est vrai, on en paralyse un en plus. Si on paralyse, le rouge, ça skip son tour. Je sais pas si on peut. La question se pose, on va aller voir. C'est... Là, voilà. Ça aurait été drôle. Mais là, je vois deux choses cocasses à faire. Soit on va paralyser notre territoire ici. Oh oui, clairement. Parce que c'est drôle. Sinon, on paralyse la capitale du genre. Moi, c'est ça, il est un peu poigné.
Ça nous oblige à attaquer nos territoires plus forts. Ouais, c'est cocasse. On va faire ça. Vous auriez voulu un continent? Non. Pas sûr, là, mon ami. Ça va peut-être forcer, en fait, le jaune à attaquer le rouge. Donc, à l'achever. On va l'achever à notre place. La carte. Oui, on va aller prendre la carte parce qu'on veut les éliminer en bonne et due forme. Parce qu'on aurait gagné automatiquement, mais on veut faire des épisodes qui se tiennent. Alors, ça va plus vite maintenant que le vert est plus là. Oh, wow, 14. Il peut se rendre. Il aurait pris son territoire. Oh. Il va prendre la rouge. Il va prendre la rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, non. Ok. Il va nous défoncer. Il va arrêter là. Ben oui, voilà. Oh, c'est sûr qu'il va essayer. Ouais, on a pas une défense. Bah oui, mais là, c'est normal quand même. Mais... 14 contre 3, j'aurais été étonné quand même. Oups. Il faudra reprendre la caserne en premier, je pense. Oui, oui, bien sûr. On recommence par là, il n'y a aucun doute. Oh, il essaie de nous enlever le plus de continents possible, c'est normal. C'est un bon move qu'il a fait. Mais par contre, à sa place, j'aurais continué avec tout. J'aurais pas laissé 5 en arrière. Toute l'informatique. Tout. En nombre, toute l'informatique est morte. Comme alors, 64. Territoire converti. Ah, ben on a un beau 5. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre le 5? Ça nous bloque notre attaque. Non, tu peux attaquer à partir de là, puis tu peux être aussi. C'est juste que pour ça, il faut en mettre une pour séparer de moteur. Moi, j'y vais pour le nombre. Ok. De toute façon, on aurait pu prendre celle de la capitale du vert. Bon, ça aurait été deux armées de moins, puis ça ne devrait pas bloquer. Je pense que ça va être. En termes de nombre d'armées, on aurait pas moins perdu en chemin de cette façon-là. On se mettre un peu de défi aussi. Bien sûr, il y a du défi. Ben oui. C'est pas mal le dernier tour, fait qu'on va échanger nos cartes quand même. 36 unités, anyway. Ça devrait faire un beau travail. Ok. Bon, là. Non, à partir du 6. Le 5. Oui, le 5 va gratter à gauche. Ouais, ça, le 6 va. Ouais. En jeu disant, peut-être que 10 ans, tu vas être là. 10 contre 10, 10 contre 5. 11 pour prendre. Ouais, pour ça qu'on perd en chemin. Ok. Le reste. Dans le pire des cas, si on est vraiment malchanceux, je sais pas. Ça va être drôle quand même. Donc, on va commencer par ici. Dans le pire des cas, ça va faire très mal à la fin de cette manche-ci. Oh. Oh. On est pas chanceux. Non, pas tant que ça. Mais on a encore d'excellentes chances avec les attaques, c'est ça. On vient d'y enlever par la même occasion la caserne. Et voilà, c'est réglé. Bon. Ah, tiens le bastion, à nouveau. Ok, c'est parti. 36 contre 3. Tout va bien. Hein, deux capitales ennemies. Voilà l'émission, on va le voir. Beaucoup trop de médailles. Ok, ouais. On peut pas se bloquer en chemin. Tac, maintenant on va aller acquérir la caserne. Bon. Le support difficile par la même occasion. Pas qu'on en ait vraiment besoin. Pas ce qu'il y a un avantage supplémentaire. Non, le pire, c'est vrai, on a vérifié l'autre fois, ça ne donne pas un dé de plus. Quand on a déjà le dé d'attaque et le dé de défense, le missile ne nous sert à rien. C'est un peu décevant. Boum! Boum! C'est beau, par exemple. Ouais, ça fait massif. On règle ça vite? Ouais, ben écoutez, rendu là. On aurait pu gagner depuis longtemps, nous, avec les médailles. Mm-hmm. Et voilà. Cinquième en chemin. Oh, oh, mon dieu. Quelle résistance. Waouh! Nous en avons tué 5 alors qu'on avait le dé d'attaque. On roulait 4 dés contre 1. Il a dû rouler que des 6. Fais donc l'animation pour la dernière. Oui, ben oui. Voyons. Qu'est-ce qui rend ce chat si redoutable? La fin des chats. Alors, 6-4 contre 2-2. Bye bye, Richard. Et voilà. Generalissimo miaou. Et on a gagné. Et voilà, il ne nous reste qu'une seule émission. Ça fait plus de sens, les verticules dans sa vie. Oui. Donc, on se revoit pour le prochain épisode.